Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans les mardis de la gratitude. Et aujourd'hui, c'est en direct de Hyde Park à Londres que je vous fais cette vidéo. Et voilà, tout d'abord, j'ai beaucoup de gratitude d'être à côté de ce parc et puis de venir me ressourcer à la fin de la journée. Après avoir fait de la ville, avoir marché, etc., quel bonheur de pouvoir venir se ressourcer au milieu de tous ces merveilleux arbres-là qui m'entourent, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc déjà, merci pour ça. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? J'ai envie de remercier d'abord d'être là, parce que voilà, je suis sur Londres avec mon fils pour 4 jours, un petit moment voilà, juste entre mère et fils pour son anniversaire. J'avais déjà fait la même chose avec ma fille aînée, Roxane. Pour ses 15 ans, on était partis 4 jours à Londres, à Rome, pardon. Et voilà, et pour mon fils qui a eu donc 16 ans cette année, donc c'est son anniversaire des 15 ans, mais c'était plus facile de partir cette année puisqu'il est en seconde. Eh bien, on a décidé de, enfin, c'est lui qui a décidé de venir à Londres parce que ça lui plaisait. Et donc gratitude pour ces moments passés avec lui. C'est la première fois que je passe autant de temps et que je vais passer autant de temps avec lui et lui seul. Et je suis ravie de pouvoir lui offrir ce cadeau de voilà d'être avec lui à 100%. Donc c'est vraiment voilà je suis ravie d'être là et ouais et de partager ces moments, de laisser dire ce qu'il a envie de faire, de suivre ses envies, etc. etc. Et c'est un cadeau, je pense, à la fois pour lui et aussi à la fois pour moi. Et autrement, dans mes gratitudes, j'ai aussi envie de partager la gratitude d'avoir enfin reçu à la maison mon livre. Voilà, mes 400 exemplaires de mon deuxième livre qui sont arrivés à la maison donc dimanche soir quand je suis rentrée des rencontres du féminin sacré. Donc c'est beaucoup de bonheur de les recevoir, de les avoir en main. C'est un petit format super qui tient dans la main, qui tient dans le sac et qui permet vraiment de vous accompagner au quotidien pour cultiver votre féminin sacré. Donc soit vous aurez l'occasion de l'acheter auprès de moi lors d'un salon ou du Tour de France de la joie, soit vous pouvez l'acheter, le précommander sur Amazon. Donc je suis ravie, ravie qu'il soit enfin arrivé. Et à ce propos, je vous ferai aussi une autre vidéo parce que c'est arrivé dans un contexte très très spécial qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Voilà, donc que du bonheur. Et puis même si à Londres ici, voilà, le ciel est bien gris et on a eu pas mal d'averses aujourd'hui. Le soleil est vraiment dans mon cœur voilà, pour ces moments uniques partagés avec mon fils. Le livre qui voit le jour, les magnifiques rencontres et tout ce qui s'est passé au cours des rencontres du féminin sacré, et c'était juste juste merveilleux. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, je pars encore avec un petit groupe la semaine prochaine sur le chemin de Compostelle. Il y a un autre groupe qui est en train de se former pour la Mongolie cet été. Donc c'est voilà que de belles rencontres, de beaux partages en perspective, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et puis je voulais aussi voilà vous remercier vous tous qui me suivez sur cette page, parce que ça y est, la barre des 7000 fans a été dépassée là ces derniers jours. Donc c'est voilà, je suis vraiment vraiment ravie. Et puis je voulais également vous remercier tous et toutes pour tous vos chouettes messages pour mon anniversaire. Alors j'ai pas pu répondre à tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais voilà, c'était vraiment beaucoup de voilà, j'ai été très touchée par tous vos messages, très touchée aussi par vos réactions par rapport à mon projet, par rapport à cette photo, oser se mettre à nu, qui me donne voilà beaucoup de
beaucoup de courage en fait. Je me dis, bah ouais, ça, y a eu plein de retours positifs. Ça me montre vraiment, l'univers me montre que tout ça va dans la bonne direction. Et je compte continuer. Voilà, c'est tout ce soutien, tous ces merveilleux messages que j'ai reçus sont vraiment importants pour moi pour continuer dans cette voie et me rendre compte que voilà, c'est OK, c'est inspirant pour les personnes qui voit ça, et ça c'est juste magique pour moi. Donc un grand 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 merci à vous tous, à vous toutes, voilà, pour tous ces merveilleux échanges, ces merveilleux posts, et n'hésitez pas à partager aussi, parce que c'est vrai que voilà, je voulais le diffuser plus largement, avec un petit peu de, en boostant mon post, et puis bah, assez curieusement hein, voilà, avec Facebook ça n'a pour l'instant pas été possible hein, ils ont bloqué le boost. Alors je compte sur vous pour partager à la fois cette photo, cette première photo que j'ai postée le jour de mon anniversaire, et à la fois les suivantes qui viendront pour faire le buzz, m'aider à faire le buzz, je dirais en bypassant un petit peu Facebook qui voilà, qui voit une femme un petit peu dénudée, certes de dos, mais ça leur a pas plu, je pense. Donc voilà, ça me fait quand même doucement rigoler. On est en France quand même. Et j'assume pleinement. Et je trouve ça chouette, voilà, de voir que ça a de la résonance chez vous, et je remercie pour ça. Et je me rends compte en fait que finalement, il y a pas mal de. Peut-être alors peut-être de la souffrance, peut-être aussi un manque de liberté par rapport à tout ça, et c'est ce que je vois au travers de vos commentaires, et ça me fait plaisir quelque part de faire bouger les choses de ce côté-là. Voilà. Bah écoutez, je vous invite aussi à partager vos gratitudes hein, sous le post. Je vous fais des gros bisous. Bonjour à Sylvie, Sabrina, les deux Sylvie, Vladimir. Je vous embrasse bien fort, Karine, Emmanuel, Marie-Claude. Voilà, et puis à tous ceux qui verront ce post après coup. Et donc, bah postez vos gratitudes aussi, partagez pour conscientiser tout ça, envoyer des belles vibrations dans l'univers pour qu'enfin et qu'elles vous reviennent. Voilà, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est d'envoyer toutes ces belles vibrations, tous ces remerciements à l'univers pour pouvoir remercier encore plus, parce que on reçoit en retour de tout ça. Voilà, donc encore des gros bisous, un grand, grand, grand merci pour tous vos messages d'anniversaire, et puis pour vos merveilleuses réactions quant à mon post, le jour de mon anniversaire, avec ma photo, oser se mettre à nu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien, bien fort. Suivez la page Graines de Joie dans ces prochains jours. Il y aura d'autres vidéos. Je partagerai aussi d'autres expériences vécues lors des rencontres du féminin sacré, qui ont été marquantes pour moi. Et puis plein de petites choses pour suivre un petit peu ce qui se passe pour moi et partager mon expérience, parce que je crois que c'est, pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est partager mon expérience, ce que je vis, ce qui est facile, ce qui n'est pas facile. Et ça me permet, voilà, aussi de conscientiser, de grandir sur plein de choses. Et puis merci aussi à toutes les belles personnes que j'ai rencontrées donc pendant les rencontres du féminin sacré, hein, qui sont venues à mes ateliers, ma conférence, avec qui j'ai pu partager tout le projet sur le Tour de France de la joie. Et je vois qu'il y a vraiment un super, super retour par rapport à ce projet. Donc ça me réjouit le cœur. Et il y a déjà plein de nouvelles personnes à plein d'endroits différents, du côté de Nice, Perpignan, Montpellier, Toulouse, etc., qui ont envie d'accueillir une étape du Tour de France de la joie. Donc c'est chouette, ça prend forme tout doucement, sans forcer, voilà. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je souhaite vivre ce Tour de France de la joie, dans le flot, la fluidité la plus totale, en accueillant les cadeaux de la vie, les rencontres, et en surfant vraiment là-dessus. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des énormes bisous.
Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée et partagez vos gratitudes sous le post. Allez, ciao, au revoir.